motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D-R-E. Yo les gens, c'est Aizen et on se retrouve pour le let's play numéro 2 sur Assassin's Creed 4. Donc je devais aller voir le gouverneur pour avoir mes pistolets et mes deux lames. Donc je m'y suis rendu. Et donc je commence la mémoire 3 il me semble. La mémoire 3 de la séquence de d'Angleterre pour le gouverneur. Je crois savoir qu'il m'attend. Si, señor Walpole, entre, por favor. Voilà. Ese es el hombre. El ¿cómo lo llamabas? Donc là, je dois rejoindre la terrasse. Donc là, le montage numéro 1, enfin le let's play numéro 1, j'ai fait le montage et tout, je l'ai compressé, il me reste plus qu'à l'upload. À mon avis, je vais le faire dans l'après-midi. Ensuite, je ferai le montage de celui-là et j'enchaînerai sûrement avec le let's play numéro 3, voire peut-être même le 4, je verrai bien. Là, il est 14h48. Ouais, je verrai bien. Bonjour monsieur, je suppose voilà. L'erreur que vous êtes Donald Walpole. En effet, oui. C'est ce que je pensais, Woods Rogers, enchanté. De même. Je crains que ma femme... Voilà. Vous avez mes deux meilleures paires de pistolets, Duncan. Prenez-en grand soin. Si j'en avais réussissez le défi au tir de Woods Rogers. Essayez-les si vous en avez envie, habituez-vous à les manier. J'ai jadis combattu aux côtés d'un homme qui emporte. Voilà. Mais cela a plutôt décidé le talent de nageur. Certes. J'espère voir que les armes à feu seront équipées de 4 balles et non l'inverse. Voilà. Donc je vais faire son défi à la con. Je vais vous présenter l'un de mes amis, Julien. James Pucker. Vous vous êtes assez amusé, Duncan. Que diriez-vous d'un vrai défi? Atteignez. Ouais, vas-y, paye ton défi, connard. Que ce sablier ne soit vide. Rappelez-vous, il faut toucher toutes les cibles dans le temps imparti. Allez, ta mère, dépêche. Moi, oh, genre, je la touche pas, ta gueule. Voilà. Donc ça, c'était un défi pour faire les 100% de synchronisation. Merde. Et donc c'est bon, le défi, là, je l'ai réussi. Voilà. Donc bon, maintenant, là, il m'a donné les lames. J'aurais peut-être pas dû passer l'extrait. Ouais, il m'a donné les lames. Duncan, nous feriez-vous l'honneur d'une démonstration de vos techniques? Ma foi, je... Donc là je vais devoir leur montrer ce que je sais faire, faire un petit entraînement en gros. Ils veulent m'initier savoir comment faire avec les lames, mais bon, je le sais déjà. C'est pareil que les anciens assassins. Allez-y, la lame dans une foule est une approche sans fioriture. Rien de grandiose, furtive, rapide. Une autre technique. Quelle ingéniosité de se cacher dans des tas de points. Vous ne trouvez pas? Allez. C'est exactement ça, la discrétion. Voilà, ça on pouvait le faire dans les autres assassins. Nul ne saurait surestimer l'effet de surprise, particulièrement quand les objectifs sont masqués. Quelle méthode ingénieuse. Les assassinats aériens ne manquent pas de poésie, malgré leur caractère un peu voyant. Une démonstration. Allez! Superbe! Voilà. Est-il aussi possible de porter un coup mortel à vive allure? Mon Dieu!
Quelle puissance de frappe! Fascinant. Quelle puissance de frappe. Ouais, donc là, c'est un peu bidon. Allez, mon niveau le cul, bonne de PD. Ma foi, l'alcool n'est pas plus recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur? Êtes-vous un associé du gouverneur ou une simple relation comme moi-même? Il fait genre de bien parler alors qu'il parle comme un et gay. Et comment se porte votre femme, capitaine Rogers? Comme un gay. Est-elle ici? Donc là, j'avance parce que... Dernier mois à Madagascar à traquer les pirates. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode... Là, j'ai mes deux lames, mon pistolet, donc les pistolets, on peut en avoir quatre. Faut juste avoir les étuis, comme j'expliquais dans le Let's Play 1, en tuant des animaux pour... pour qu'on puisse les fabriquer. Avec les peaux d'animaux, on peut fabriquer des trucs, des étuis, des... Donc faut acheter les trois autres étuis pour avoir les trois autres pistolets. Donc en tout ça fera 4. Il y a une balle dans chaque pistolet. Ouais, donc ça je passe, on s'en fout. Donc là la vidéo ça fait 6 minutes enfin qu'elle est commencée. Entre gentilhommes. Ouais, ça devrait le faire. Ouais, donc là je vais avoir un nouvel objectif optionnel, il me semble que c'est que je dois voler les 3 templiers. Le conseil ah, les trois galants, en fait. Au cœur de ces îles. Détrousser tous les Templiers, ouais, c'est ça. Donc il faut tout simplement aller à côté d'eux. Regardez. Et rester appuyé sur B. Elle raconte une histoire comme aussi ancienne ça, que voilà. Cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire. Voilà. Car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Voilà, l'objectif, il est réussi. Il s'agit d'une sorte de sphère armée. Donc là, je dois malheureusement attendre. Qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre. Où qu'elle se trouve, imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à mon casque, personne n'aura j'ai réussi à le faire remarcher un petit peu. Plus de mensonges, de tromperies. Là, il marche impeccable normalement. Plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire. Et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser? Nous le saurons bientôt. Car nous détenons l'homme qui en est capable, un nommé Roberts. Bon, c'est un peu long là. Mais après, à partir de la séquence 3, ça va vraiment commencer. Je vais vraiment. Enfin, en même temps, là, je dis pas rien, mais bon. Que cet homme en est un. Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. J'y peux rien. Sans aucun doute. Voilà. Pour ça, je vais passer un peu les. Les cinématiques, je vais passer un maximum que je puisse quand même jouer, parce que là ça fait 8 reposez-vous, minutes. Reposez-vous, Duncan. J'ai pas encore fait de trucs extraordinaires. Voilà. Après cela, nous discuterons de notre avenir. J'ai hâte d'y être. Voilà, allez, faut le retrouver sur les quais demain à la première heure. Le gouverneur Torres sollicite votre présence sur les quais du Castillo, demain au lever du soleil. Donc les pistolets, donc moi j'avais un peu galéré à trouver alors que c'est bidon. Pour les recharger, en fait on peut les recharger normalement que quand ils sont vides. Que quand les 4 pistolets sont vides. Mais là vous restez appuyé. Ah non, bah non. Allez. Là vous restez appuyé sur LB et ça chargera les 4. Donc là en fait je suis en train de recruter des pirates donc pour l'équipage de mon bateau. Grazie, merci. Voilà. Je suis à tes ordres, capitaine. C'est l'équipage de mon bateau, en fait, là, tous ceux que je sauve comme ça. Donc là, je vais me rendre au point d'interrogation. Alors sur mon autre profil, j'ai fait tous les succès, les 100% de synchro, ouais, j'ai vraiment tout fait. Et puis en fait, toutes les
Les jeux les 100% de synchro, c'est largement faisable. Il y a juste une mémoire de la séquence 8, il me semble, et une de la séquence 11 qui sont assez chiantes. C'est ouais, c'est un peu de la merde. Mais sinon, ça va. C'est tout est faisable. Bonjour Duncan, venez par ici. Donc là, ce matin, ma vidéo a fait 40 minutes. Cet observatoire a-t-il donc une si grande valeur ? Si, sin duda. L'observatoire a été bâti par la race des... Je vais juste regarder les vidéos combien... Sa valeur est inestimable. La race des précurseurs. Je vois. Ah non, c'est là. Non, je me suis dans trompé. L'une de vos premières lettres, c'est vous me priez de votre désir de tuer... Ça fait 668 MO. Donc ça devrait prendre à peu près... Ça fait un peu plus d'un demi giga. On va dire 2 heures et demie. C'est regrettable. Donc d'ici 5h30, 6h, elle devrait être upload. Je l'espère. Hop. Vider la corbeille. Oui. Cet itinéraire ne me... Donc là, je dois suivre les Templiers, là, et puis les gardes. Restez près de moi, grand maître. Je le ressens aussi. Ne les laissez pas s'emparer du sage. Protégez-le à tout. Donc ce soir. Ce soir, je sors et il y a Maître Gims qui vient dans la boîte où je vais en fait. Et donc je vais essayer de voir si je peux prendre quelques vidéos, un truc dans le genre. Donc ça sera des vidéos qui seront prises avec mon iPhone. Je vais pas prendre ma caméra, le but c'est que j'aille là-bas. Merde. Bastos que j'ai mis. Donc là, je suis en train de tuer des assassins. Donc là, le personnage il est un peu lent. Merde, il va me tirer dessus. Et je vais prendre mon épée pour voir si je peux. Il est plus puissant. Par contre, il est un peu long à recharger. Oh, le bâtard, il m'a plaqué au sol. Tiens, tu fermes ta gueule. Là, je sais pas si j'avais eu une synchro à faire. Plaquer le sage depuis une hauteur. Je sais pas, ça sera quoi la prochaine. T'es agile, il faut le reconnaître. Donc là, je dois plaquer le sage depuis un toit ou depuis une corde ou un truc plus haut que lui en fait. Faut que je sois plus occupé pour plaquer. Ce portable là il m'énerve. Putain le bâtard. Reviens. Je sais plus où est-ce que j'ai plaqué. J'essaie de couper quelque part. Là je pourrais déjà plaquer mais... Il est pas sur la hauteur. Ah, là ça va être bon. Je crois que c'est bon. Bon, au pire on s'en fout. Ça c'est pas très... C'est pas très dur. En prison, grand maître. Doublez la garde. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que la journée aura été agitée. Si, pris en souricière par nos ennemis. Nous avons manqué de prudence. J'aurais voulu rester pour la suite des opérations, mais je dois profiter de ces vents et faire route vers l'Angleterre. Je comprends, capitaine. Que la mer vous soit indulgente. Avec de la chance, je reviendrai en habit de gouverneur. Avec la bénédiction de mon crétin de roi de surcroît. Adios. Quant à vous, monsieur Walpole, voici le premier versement d'un investissement à long terme. Gracias. Je vous remercie. Je souhaiterais que vous soyez présent à l'interrogatoire demain. Venez vers midi. Bien, monsieur. Oh, allez, il est un peu long, là.
Bon, plaquer le sage depuis une heure, j'ai même pas fait, mais bon. C'est pas très compliqué. Alors que là, il faut que j'aille ici. Donc là, en let's play, je vais essayer d'être au moins jusqu'à la séquence 4 aujourd'hui en faisant les let's play. Je verrai bien. Au pire, je vais peut-être faire genre 2-3 let's play sur Assassin, voire peut-être même 4, et commencer en même temps Battlefield. Enfin, je sais pas, je verrai bien. Faut que je regarde après sur mon autre compte combien il y a à peu près de mémoire. Enfin, combien, si les séquences sont grandes à faire ou pas. Merde, y'a un tour. Faut que je voie. Je vous dirai ça dans la prochaine, dans le let's play 3. Je vais regarder ça juste après. Le let's play là. Donc là, celui-là, je vais peut-être encore le faire durer 40 minutes. Parce que je pense que dans la journée, l'autre, il sera upload. Bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas... Il y a juste le montage qui est un peu long à faire. Enfin, il est pas long à faire. C'est juste que le rendu est long à faire. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir la Xbox One et le nouveau Call of et les nouveaux jeux là, parce que franchement, ça me fait un peu chier depuis jouer, faire de FPS, depuis jouer au FPS. Allez, tout je ça me fais chier en fait à jouer misère. À des, enfin, Assassin il est bien, mais j'ai l'impression de me faire chier. Il n'y a pas assez d'action pour comme dans un FPS en fait. Bon, en même temps, c'est pas le. Alors. Là je dois faire, normalement c'est ne prenez pas part au combat, si je me trompe pas. Donc, ouais, ne prenez pas part au combat. Je dois tuer des ennemis depuis une zone de track. Donc voilà déjà un. Deuxième, bon je l'ai pas tué là mais... Donc, ce qui est bien moi c'est qu'on peut courir. C'est qu'on peut courir et puis et puis les ennemis nous entendent pas. Donc là, depuis une zone de track, on peut siffler pour attirer les ennemis. Donc lui, il a été attiré. Voilà, comme ça, ça me fait déjà une synchro de fait. Enfin, un objectif de synchro fait. Donc lui je vais le tuer, normalement ça devrait passer. Voilà. Ensuite lui. Et je vais attendre que lui se retourne. Merde, on m'a vu. Il n'y a pas un seul moment où il se retourne. Je vais aller tuer Hot et comme ça. Hot, je pourrais acheter depuis le ballot de foin. Enfin, la charrette de foin. Voilà. Déjà, un bon truc de fait. Et maintenant, il va falloir que je monte ici. Bon, là, tu vas venir me voir, je vais tuer depuis ma zone de track. Donc là il y a la vision d'aigle. Hop. Donc il y a un ennemi ici. Ouais, donc le but c'est de pas se faire repérer, donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais essayer. Oh le bâtard. Il s'est retourné aussitôt. Là, ce que je dois faire, c'est localiser le gardien. Ouais, je vais essayer, mais bon. Voilà. Ensuite, je vais aller tuer l'autre là-bas. Voilà.
Il y a le gardien. Il n'y avait plus personne tout à l'heure. Voilà. Donc surtout, vérifiez bien votre carte au moins avant de vous mettre à découvert ou de tuer quelqu'un. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont cachées. Au pire, le mieux c'est de faire une vision d'aigle et de faire un 360 autour du personnage. Au moins, vous serez pas surpris. Donc, lui, il va venir me voir, je vais le défoncer. Voilà. J'aurais peut-être pas dû monter sur le toit. C'est impeccable. Hop. Donc là, il y a eu un petit massacre. Putain, j'ai éteint mon parleur. Quel est ton vrai nom, Vaurien? C'est... Capitaine va au diable. Rien qu'un pauvre paysan. Où est le sage? Est-ce toi qui l'as libéré? J'ai rien à voir là-dedans. Mais ça m'aurait pas déplu. Emmenez-le au port. Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Attendez! Je vous ai donné tous vos trésors, non? Oui, en effet. Mais tu nous as dérobé Duncan Walpole. Voilà, donc normalement, j'ai eu les 100%. Quel spectacle lamentable! Cet ivrogne est un homme fini, Caroline. Incapable de vivre sur terre et encore moins en mer. S'il part dans les Caraïbes, c'est toi qui souffriras. Père. Père. Allez, Edward. Relève-toi. Ce vieux misérable. Il se trompe sur moi. Je l'espère bien. Tu me crois, toi, au moins. Tu m'imagines pas. Sur le pont d'un immense navire qui entre fièrement au port. Voilà. Voilà, donc moi, mes lames, je serai un homme respecté. Mes épées et mes pistolets. Des milliers de doublons tomberont de mes poches. Comme des gouttes de pluie, j'en suis certain. Donc là, je crois que je vais devoir recruter de l'équipage. Voilà, donc... Tuer les gardiens depuis un coin. La scène, on mettait la rapio. Trois pirates. Tu as faim? Donc, déjà de 1. Qu'est-ce que t'as en tête, mon ami? Peut-être le deuxième. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa torrente que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizás. Bateau, quizás... Hop. Marcel, dans son oeil. Ah. Tant pis pour eux. Ouais, donc là, d'ici, ça marchera pas, c'est trop long. Il faut que je trouve un coin. Oui, je vais le tuer, je le ferai sur le bateau. C'est vraiment mieux parce que là. On va voler un brise. Voilà. Allez, prends ce qu'il te faut. Ce sera pas long.
prisonniers ne manquent pas sur ces navires. Donc là, ouais, maintenant il y a la corde aussi. C'est pas mal ça. On peut se balancer dans le bateau. Libérer tout ce qu'on voit et voler un navire rapide. Oh, je suis même pas faire peur. Ah si. Faut que j'aille sur le bateau là maintenant. Hop. Désolé, c'est juste que j'avais un petit truc à faire. Tête. Ma générosité se paie. Tu vas naviguer avec moi. Je t'accompagnerai en enfer, mon ami. Donc il faut absolument que je tue un ennemi depuis un coin, parce que sinon... Que nous está retrasando. Ya deberíamos haber hecho la mitad de la ruta a las Bermudas. Font chier. Ah, non, ça a marché. Normalement, je rejoins ma première synchro. Voilà. Libérer les prisonniers là. Donc maintenant je dois encore les. Allez les gars, si on se noie aujourd'hui, ce sera pas ici. C'est du bateau là. Voilà, ça on peut le faire, ça on pouvait le faire aussi avec les anciennes, l'ancien assassin. Mais c'est quand un autre truc qu'on pouvait faire avec les lames. Avec les petites lames. Je vous montrerai ça quand j'aurai l'occasion. Voilà, tuer le capitaine. Il y a un joli petit brick qui n'attend plus que nous, mes amis. Je vais devoir voler le. Voler le navire. Para, tengo una pregunta. Prisa, no lo dejéis escapar. Une petite tempête. Divertir.
Bon, là, il y a un défi bidon. Ce que je vais faire, c'est que je vais même pas les tuer, ça sert à rien. Donc là, je vous disais les talos, les talos. Le derrière qui lance Big vague, vague accélérate. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste avant la vague, là, comme ça, c'est se cramponner comme ça. L'équipage, j'ai payé, il est pas. Il est pas touché. Putain, je galère aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Donc là, vous allez voir normalement si j'arrive à la voir. Non, voilà. Ouais, voilà, devant moi. Et trompe de tornade en fait. Il se déplace juste à côté, donc faut surtout éviter les dents, ça fait perdre beaucoup, beaucoup de vie. Ok, il y en a plein. Gardez vos chansons pour Neptune, sac à vin. La tempête vient sur nous. Vous pouvez le croire. Vous là, levez l'ancre. Les autres, la moitié au mal misaine et l'autre au grand mât. On va mettre cet ouragan derrière nous. Le temps que j'aille jusqu'à là-bas, là, la vidéo a 30 minutes. Garde un œil sur ces galions. Par comment ça. Ils ne doivent pas nous attaquer. Juste pour, pour ça. Roulant pour ce temps. Bon, moi, je serai la séquence 3. Non, bon endroit, il va disparaître. On attend pas. Donne tous les ordres que tu voudras, mon ami. On va devoir l'affronter. C'est chaud. Il y a du vent et tout. C'est un peu galère. Là, on a la lunette. Bon, on peut pas tirer tout avec, c'est juste pour voir avec ça, pour voir ce que les bateaux contiennent. Donc, les ressources qu'ils ont, genre s'ils ont du sucre, du rhum, du tissu, du métal et tout. De toute façon, vous verrez. C'est juste pour, ouais, pour les identifier en fait. Pour voir le niveau qu'ils ont, s'ils ont un bon niveau, s'ils sont bien équipés, etc. Donc, ça, ce qu'on voit là, c'est une épave. Et donc, je vais essayer de vous faire découvrir ça. Dans mes let's play. Ils font feu, capitaine! Accrochez-vous, on va toucher! Ils nous ont eu, capitaine! Comment la tempête commence à se passer? Garde tes distances! Ouais, donc là, normalement, ça sera la fin de la séquence 2, si je ne me trompe pas. Voilà. Si jamais il y a quelque chose, un succès que vous avez, que vous n'arrivez pas dans le genre, vous mettez ça en commentaire et je vous répondrai le plus précisément possible. Ça s'annonce mal. Maintiens le cap. Oh, donc là, je suis arrivé sur une petite île de. C'est un niveau plutôt. Notre coq souffre, mais pour le moment ça tient. Voilà. Donc ça. Bateau que je vais devoir améliorer. Donc voilà la fin de la séquence de là. Normalement, je vais peut-être retourner à l'époque. Ah non, même pas. Voilà. Donc là, je crois que je vais couper la vidéo. Ouais, je vais couper la vidéo. Bon, juste un truc, je vais regarder combien il y a de suivi de progression. Donc la mémoire 3, il y a 1, 2, 3, 6, 7. Il y en a 7, il y a 7 mémoires. Bon, ça va aller vite. Ensuite, ouais, il y a tous les contrats d'assassins là. Ah, de toute façon, je vais bien voir. On verra, je vais essayer de tout faire le maximum que je peux avant la sortie de la Xbox. Et puis bah, sinon, tant pis, je finirai ça plus tard. Donc sur ce, je vais couper la vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire,
un petit like et à vous abonner si c'est pas fait. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'ai l'impression qu'on vient d'échapper au mâchoire de Neptune. Et un bon week-end.